Let's have a great welcome for Creative Source. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver, ça y est, la nouvelle saison repart, donc mes émissions Boogie Station et Soul Power sur les ondes FM, Radio Graphite, ça va, c'est pour bientôt, donc je vous tiens au courant, n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, le groupe Facebook c'est Boogie Station Show, et je vous indiquerai forcément toutes les programmations à venir. Ensuite, je voulais vous remercier également parce que vous avez été présent cet été, hein, vous n'avez pas chômé, vous avez été là avec moi, on a fait quelques petites vidéos, je ne pouvais plus me raccrocher les gants comme on dit, mais bon voilà, j'ai fait une petite pause de 2-3 semaines à nouveau et on est de retour pour vous parler de la Stokes Connection Chapter 1. Que Stokes est un grand producteur bien évidemment et on va avoir l'occasion d'en parler sur deux épisodes, deux chapitres. Alors bien sûr, il n'y aura pas que Mac Stokes dans les prochains mois qui vont arriver puisqu'il y a plein de choses qui sont prévues dans le comptoir de la funk et dans le comptoir de la soul, Soul Corner. Que vous dire de plus si ce n'est que voilà, toutes les news si vous voulez que j'ai à vous dire, je vous les donnerai un peu plus tard en fin de vidéo. Mais en attendant, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est rentrons directement dans le vif du sujet. Bah oui, la Stokes Connection, Chapter 1, j'ai plein de choses à vous dire. Alors tout d'abord, on va parler de Mike Stokes. Mike Stokes, il a grandi à Détroit. Alors que sa mère était en train d'accoucher, son père qui lui rendait visite a été assassiné. Ça a été vraiment la première tragédie qu'il a eue, grosse tragédie, et il n'a jamais connu son père. Mais son père, si vous voulez, c'était... un homme d'affaires, un businessman. Et il avait une chaîne de restaurants. Et donc, lorsqu'il est mort, c'est sa mère qui a hérité de toute la chaîne de restaurants. Et donc, si vous voulez, dans sa jeunesse, Mike Stokes, eh ben, quelque part, il n'a jamais eu de soucis d'argent. Et il a toujours eu ce qu'il voulait, enfin plus ou moins. Mais c'était quand même quelqu'un de très studieux. Et il faut savoir une chose, c'est que contrairement à beaucoup d'autres producteurs ou artistes afro-américains, lui-même, il le dira dans une interview, il n'a jamais vraiment connu ce qu'était le ghetto. Puisque lui, en réalité, il a été dans des écoles de blancs
Et il a grandi dans le quartier juif. Donc, si vous voulez, lui, la misère, enfin, les bâtiments tagués, le ghetto, lui, c'est pas, il savait pas du tout ce que c'était. C'est après qu'il a compris ce que c'était et il a vu un peu tous les problématiques qu'il y avait avec la disparité sociale, etc. Et donc, si vous voulez, bah lui, il a été tranquille. Voilà, il a vécu sa vie tranquillement, il a fait ses études tranquillement, il a jamais eu de soucis. Le restaurant de sa mère était en fait en face d'un bâtiment. Et ce bâtiment-là, c'était le bâtiment du label Scepter. Et donc, le label Scepter, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, il était géré par Marvin Slater. Bah oui, Marvin Slater, qui va devenir le fondateur, le patron, le boss bah, du label Prélude. Bah oui, forcément. Et donc, si vous voulez, Marvin Slater, le président de Scepter à l'époque, eh bien, dans les années 60, il allait souvent manger dans le restaurant de sa mère, à Michael Stokes, parce qu'il était en face. Bah donc, tous les jours, il y allait. Et en fait, Michael Stokes, tous les jours, il voyait plein d'artistes qui venaient manger dans le restaurant de sa mère. Et lui, il était là, il avait 13 ans. Donc lui, ça l'intéressait, la musique. Il était à fond dedans. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a commencé à écrire des petits textes. Il écrivait des textes et tout, et puis il essayait de les proposer aux gens. Et donc, quand il a vu Marvin Schlatter, qui était le président, bah, il a essayé. Il s'est dit, tiens, je vais m'incruster. Je vais essayer de lui faire comprendre que ça m'intéresse, quoi. Et donc, il a ramené un peu ses textes. Et Marvin, au début, bah, il s'en foutait. Il dit, ouais, c'est bon, c'est qui ce gamin qui me casse les couilles? Je viens manger, il vient me faire chier, lui. Mais il était pas non plus. Voilà, il le regardait quand même d'un œil. Il disait, tiens, on sait jamais, on sait jamais. Et donc, si vous voulez, un jour, bah, il va accepter. De regarder ses textes. Et il va l'inviter. Il va lui dire, bah viens, on va voir ce que tu sais faire. Et donc, à la fin des années 60, il va commencer à faire ses petites armes, si vous voulez, sur un sous-label de Scepter. Enfin, il va travailler d'abord chez Scepter en faisant des petites bricoles, mais il va pas être connu, il n'y aura pas du tout crédité ni rien, mais il va commencer à bosser là. Et de là, il va rentrer directement en contact avec. Entre autres, Eddie Kendricks, par le biais de la Motown. Parce que, si vous voulez, à Détroit, bah, il y a tout le monde de la Motown qui est là aussi. Et donc, par le biais des restaurants de sa mère et tout, il va côtoyer plein de gens. Et de là, il va rentrer en contact avec des personnalités de Motown, dont Berry Gordy. D'accord? Et de là, bah, pareil qu'avec Marvin Slater, il va commencer à écrire des textes pour des gens de la Motown, et dont Eddie Kendricks. Et Eddie Kendricks, si vous voulez, qui sortait du groupe Temptations. C'était à la fin des années 60, je crois que c'était 70, il me semble. Il va se lancer dans une carrière solo. Mais avant de se lancer dans une carrière solo, il va essayer de tenter de faire de l'autoprod, sur ses propres, faire des labels, etc. Et puis ensuite, il va être amené à faire du solo, Eddie Kendricks. Mais si vous voulez, avant, il va faire partie d'un, il va travailler sur des groupes en 45 tours, et dont un groupe qui s'appelle Pose. Et donc, il y a plusieurs 45 tours qui vont sortir de ce groupe-là, fin 60, début 70. Et Eddie Kendricks va donc demander à Mike Stocks de écrire des textes et d'être là avec lui. Et si vous voulez, cette petite période entre les années 60, la fin des années 60 et le début 70, on va dire jusqu'à 71, eh ben, ça va être une période assez intéressante pour Mike Stocks, puisque effectivement, il va se lier d'amitié avec plein de gens. Des gens du label Scepter, bien sûr, Marvin Slater, qui était donc le boss, qui va devenir le boss de Prélude, forcément, il a lié une amitié avec lui, donc forcément plus tard on va retrouver Mike Stocks sur label Prélude, mais ça on en reparlera dans le chapitre 2. Et donc il va se lier aussi d'amitié avec les gens de la Motown, forcément. Et pareil, il va aussi retourner à la Motown plus tard dans les années 80, et on en reparlera aussi dans le chapitre 2, bien sûr. Donc si vous voulez, la fin des années 60 et le début des années 70 ont été très importantes pour Mike Stocks, pour toutes les connexions qu'il va avoir après. Et comme c'est un petit jeune qui est assez érudit, qui a une culture et qui surtout a un sens du business affûté. Et puis de là, si vous voulez, en 71, il va se lier aussi d'amitié. Ah ouais, j'allais oublier, il se lie d'amitié avec beaucoup de gens, mais aussi avec Roe Matlock. Et c'est important que je vous parle de Roe Matlock, parce que c'est de la fin des années 60, début 70, que cette amitié va vraiment naître. Et ça va être quelque chose d'assez important, puisque les deux hommes ne se quitteront pas. Et même, j'ai envie de vous dire, ils vont travailler ensemble à la fin des années 70. Mais je vais vous en parler juste après, parce que j'en avais déjà parlé un petit peu dans la featurette d'Enchantement sur le Mac Video 4. Mais là, je vais un peu plus élaborer, un peu plus décortiquer les travaux qu'ils ont fait ensemble.
dans cette vidéo-là. Et donc, si vous voulez, donc avec toutes ces connexions, toutes ces ramifications, Mac Stocks, bah lui, il est chaud bouillant. Mais si vous voulez, il n'arrive pas encore à percer. Il est toujours dans les textes, il va s'intéresser un peu à la musique, aux keyboards. Lui, il s'intéresse vraiment au piano, aux orgues, etc. Et puis, il est en train de mettre en place une idéologie. C'est-à-dire que dans sa tête, il se passe des choses. Lui, il a été. Faut savoir que Mike Stocks, vu qu'il était dans les quartiers un peu de blanc, dans les écoles, etc., il a été très proche, si vous voulez, des histoires de contes. Lui, il était à fond là-dedans. Tout ce qui est contes, les contes un peu à la Walt Disney, vous savez, les princes, les princesses, les grenouilles, etc., le prince charmant qui se transforme en grenouille. Voilà, enfin, la grenouille qui se transforme en prince lorsqu'on l'embrasse. Il y a toute une idéologie derrière, toute une espèce de métaphore, etc., qui s'est créée quand il était jeune. Il était très. Et il n'a pas vécu avec son père, donc il s'est créé un monde imaginaire, si vous voulez. Comme il était un des rares blacks dans ses écoles de blancs et dans ses quartiers, bah, il était un petit peu différent des autres, on va dire. Et donc il est rentré dans une espèce de monde imaginaire qui va un peu le hanter. Et fait, enfin, pas vraiment le hanter, puisque il était heureux en fait, hein, mais il va emmener ce monde avec lui pendant 2 décennies. D'accord? Les années 70-80, vous allez voir, on va parler des covers et de ce monde qu'il a imagé, sur les covers, les pochettes de disques, sur les textes, sur plein de choses. Et vous allez voir, vous allez tout comprendre à un moment donné. Vous allez comprendre ce qu'il avait dans la tête. Parce qu'il n'y avait pas que les contes de princes et de princesses. Il y avait aussi Fritz Lang. Vous connaissez Fritz Lang? Si je vous dis Metropolis, ça vous parle? Le robot Metropolis, ça vous parle peut-être, ou peut-être pas. Mais il va être empreint de cet univers aussi de Fritz Lang. Puisqu'on va le revoir par la suite sur des albums comme Utopia. Ou encore le Rod Matlock, Love City. Regardez bien ces pochettes-là, vous allez voir. Il met en scène des mondes, des cités futuristes. Et dans Utopia, c'est carrément un robot. Et le robot de Metropolis, en fait. Donc, si vous voulez, il y a toute une féerie qui met en place entre le monde féerique des contes et merveilles à la Walt Disney, et d'un autre côté, il y a le monde futuriste, technologique, qui va vouloir, dans lequel il veut y aller, et créer, dans l'univers un peu de Fritz Lang. Et lui, ce qu'il veut, c'est une cité, une ville utopique, quelque part, puisqu'il a envie d'être dans cette ville utopique. Une ville faite de musique, d'amour et d'eau fraîche. Vous voyez, c'est ça son truc. Et si vous regardez bien ses œuvres, ça va l'accompagner comme ça pendant 2 décennies. Mais regardez ses œuvres, regardez. Vous n'avez pas besoin de sortir d'Einstein, hein, pour comprendre un peu ses pochettes, l'histoire des disques, etc. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure et vous allez comprendre. Les pochettes magnifiques, des pochettes, voilà, comme derrière, vous avez des pochettes déjà derrière là, les Segment of Time et Creative Source, c'est des belles pochettes. Ou s'il y a même les allusions des groupes, les allusions des textes. Mais je vais tout vous expliquer. Vous allez voir qui était Mike Stocks. Et ce que je vais vous dire, ça, vous le trouverez nulle part. Vous n'allez pas aller voir sur des textes, des écrits, sur des livres. Ça, c'est moi qui vous le dis. Mais effectivement, Mike Stocks, c'est pas besoin de sortir d'Harvard. On comprend tout de suite que, étant seul, il s'est créé un monde imaginaire. Et comme il était entouré de blancs qui lui parlaient de prince et de princesse, bah oui, parce que là, on était pas dans le ghetto là. On parlait pas, il traînait pas avec les enfants, à mon avis, avec qui il pouvait se créer vraiment des liens assez forts. Là, il était plutôt dans les quartiers bobos. Bah, c'était sympa, hein, bien sûr, mais il avait tout ce qu'il fallait. Mais il lui manquait quelque chose. Ouais, il y avait un truc qui manquait et il s'est créé ce monde imaginaire, forcément. Bon, j'imagine, hein, c'est moi qui dis ça, mais quand on regarde ses œuvres, c'est ça en fait. C'est vraiment ça. Et donc, si vous voulez. Mike Stocks, il va en 71, bon, on va revenir à nos moutons, on va arrêter la psychanalyse de bas étage. Et en fait, Mike Stocks, il va commencer, si vous le voulez, à vouloir s'émanciper. Et donc, on a un petit peu marre de traîner derrière Eddie Kendricks, Septerre, Motown, tout ça. Il veut s'émanciper. Et il va entendre parler qu'en 71, il y a un artiste, un producteur, qu'on surnomme le Black Godfather, ouais, qui va fonder un label. Et donc, qui a déjà fondé le label, pardon, autant pour moi, parce qu'il l'a fondé, ça a commencé, en fait, l'histoire a commencé en 69, mais c'est vraiment en 70 qu'il va fonder. Et ce Black Godfather, ce parrain noir, en fait, bah, c'est Clarence Avant. Et Clarence Avant, si vous voulez, c'est pas un n'importe qui. C'est un grand boss, c'est un grand patron de la musique, de la scène soul. Et lui,
en 69, il va lancer le label Sussex. Ah ouais. Et ce label-là va entrer dans la postérité pour livrer des artistes de dingue et des œuvres magistrales. Il va lancer aussi beaucoup la carrière de beaucoup de gens. Il va lancer la carrière de beaucoup de gens, pardon. Dont bien sûr Michael Stocks. Mais pas que. Clarence Savante, grand boss de la scène musicale, et qui va le devenir encore plus, hein, puisqu'après, il va fonder le label Tabu Records. Vous connaissez tous le label Tabu, SOS Band, Cherel, etc. Eh bien, c'est Wools Empire et tout. C'est justement lui qui va aussi lancer ce label-là par la suite. On va y revenir sur le label Tabu et Clarence Savante. Et donc, si vous voulez, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais il va essayer, pas Clarence Savant, mais Mike Stocks va tout faire pour rentrer sur ce label-là. Je sais pas, dans sa tête, il se dit, c'est ce label-là, il me le faut. Il faut que j'aille là-dedans, je sais qu'il y a quelque chose à faire. Et donc, si vous voulez, il va ramener des démos avec lui, pour lesquels il avait bossé quand il était avec Acepter, etc. Il va ramener des démos, il va ramener des textes, et il va les proposer à Clarence Savant. Clarence Savant, il va écouter ça, il va regarder ça et tout, il va dire ok, mais il est pas chaud. Mais lui, il lâche pas l'affaire. Et il va vraiment lui prendre la tête. Il va pas le lâcher, il va vouloir vraiment bosser dessus. Il va réussir. Clarence Savant va lui donner sa chance. Alors au début, si vous voulez, Mike Stocks, il va se faire un petit peu les dents sur des artistes de grosse pointure. Mais on va le voir, si vous voulez, travailler avec des gens comme Bill Weaver, Donny Coffey, Soul Searchers, Chuck Brown, tout ça. C'est des gens qui sont arrivés, qui étaient déjà là pour certains. Mais des grosses pointures, Bill Weaver, vous imaginez, Bill Weaver sur le label Success, c'était un truc de dingue. Le cash flow que ça rentrait, c'était complètement fou. Et à un moment donné, bah lui, c'est bien, il est content, mais lui, il veut aller plus loin, il veut produire. Bah oui, parce que pour l'instant, il faisait des textes, il faisait quelques compositions musicales, et lui, il veut produire, il veut vraiment se lancer dans la production. Là, il est chaud bouillant, là. Là, il se dit, non, Clarence, donne-moi ma chance, je veux produire, je veux. Bah oui, mais il est jeune! Il a 15 ans, un truc comme ça, il doit avoir 15 ans, un truc dans le genre. 15, 16, 17, à tout casser. Mais il veut vraiment se lancer dans la production. Bah oui, il est intelligent, érudit, et il veut. Voilà, c'est un businessman, le mec, il veut vraiment percer. Et donc, il va demander à Clarence Savant de lui donner sa chance. De là, Clarence Savant va lui dire, écoute, d'accord, il n'y a pas de souci, je vais te mettre sur un projet. Et ce projet-là, c'est celui-ci. Faith Hope and Charity. Donc dans ce groupe-là, vous connaissez peut-être pas, mais sachez qu'il y a trois artistes importants. Il y a Zulema, il y a Brenda, il y a Albert Bailey. Alors, si vous voulez, ce groupe-là, il vient du label Maxwell. Et c'est le groupe de Van McCoy. Van McCoy, c'est un grand artiste. Je ne vais pas trop vous en parler parce que même Faith Hope and Charity, ça va faire partie en fait d'un futur Soul Corner que j'ai l'intention de vous passer. Où je vais vous faire écouter et découvrir tous les albums de Faith Hope & Charity, mais aussi de Zulema, parce qu'on va parler de Zulema forcément. Et si vous voulez, ce groupe-là, je vais quand même vous en parler un chouïa, on va dire. Si vous voulez, ce groupe-là sortait du label Maxwell. En fait, Van McCoy, il les a repérés, fin 60, va leur faire un album. Et de là, si vous voulez, ce qui va se passer, c'est que le label Maxwell ne va pas vraiment fonctionner, va se casser la gueule, et ils vont se retrouver un petit peu à la rue. Mais Van McCoy va aller taper à la porte de Success parce qu'il faisait un peu la tournée des bars pour essayer de trouver des labels. Et il va trouver Clarence Savant qui va lui produire cet album-là. Le retour de Faith and Hope dans les années 70. Et donc, ça, cet album-là, il me semble que c'était 71. Je n'ai pas la date complète, je vais vous dire ça tout de suite. On se le fait à l'ancienne, hein. En 72, alors j'ai dit bêtises, 72, mais si vous voulez, c'est un album qui a été fait en 71, travaillé en studio, et il est sorti en 72. C'est un album magnifique, mais vraiment magnifique, de Faith Hope and Charity, que je vous conseille, je l'ai déjà passé dans mon émission, il y a des bombasses de bombasses. C'est un album que je vais vraiment vous faire écouter, je suis obligé, parce que c'est vraiment un des premiers travaux de Michael Stocks. Alors bien sûr, derrière, voilà, on voit, produit par Mike Stocks, mais c'est pas tous les sons qui sont produits par Mike Stocks. Il y a quelques sons qui sont produits par Mike Stocks. Et après, il y a Van McCoy et Jacob qui sont derrière. D'accord? Mais si vous voulez, dans cet album-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas encore totalement crédité, même s'il est producteur, coproducteur avec Van McCoy et d'autres. Mais c'est un de ses premiers travaux. C'est son premier travail.
vraiment complètement sur Faith of a Charity. Et donc, il va se faire la main là-dessus. Et sur cet album-là, si vous voulez, à ce moment-là, donc en 71, Clarence Avant va repérer un des trois artistes. Et parmi ces trois artistes-là, bah, il y a Zulema. Zulema, vous la connaissez parce que, pour ceux qui sont dans la funk, c'est elle qui va devenir un des dans le duo, qui va venir dans le duo Zalmak. Fameux album de Zalmak sorti sur le label TOSOP, Chop. On en reviendra dessus. Moi, Zalmak, je vais vous en parler avec Faith of a Charity. Je vais vous présenter tous ses albums, etc. à l'occasion sur un Soul Corner. Mais vraiment, c'est une artiste de légende. Et si vous voulez, il va être tellement Clarence Avant, il va tellement kiffer cet artiste-là, qui d'ailleurs est une artiste exceptionnelle. Hein. Elle écrit aussi ses textes. Hein. Sur ce disque-là, il y a des textes qu'elle a écrits. Hein. Il y a plein de textes qu'elle a écrits. Et puis, elle gère aussi le backing vocal, c'est tout. Vraiment, c'est une grande dame, une grande diva. Mais à l'époque, si vous voulez, c'était son deuxième album. Elle n'était pas connue du tout. Mais c'est là que Clarence, il va se dire, mais il y a un truc avec cette artiste. Elle écrit ses textes, elle gère les backings des autres. Mais c'est un truc de dingue. Elle est un peu partout, quoi. Elle est vraiment un peu comme un meneur de jeu. Je dis, mais c'est une espèce de Messi, une espèce de Ronaldo, quoi. Et donc, à ce moment-là, si vous voulez, il va se dire, mais il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc, il va aller la voir, et lui, direct, il va lui signer un contrat. Tout de suite, il dit, on fait un deal. Un deal pour deux albums sur la Success. Mais, si vous voulez, Van McCoy, il va pas comprendre. Il va dire, comment ça mais elle est dans le groupe Faith of a Charity, qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais non, ça, c'est mon poulain. Mais Van McCoy, il est pas content. Il se dit, mais c'est mon poulain, Zulema, qu'est-ce qui t'arrive? Nous, moi, je vais en faire d'autres albums. Mais Clarence, il dit, non, je vais pas faire d'autres albums avec le groupe Faith of. Moi, je veux que Zulema. Je veux que Zulema. C'est tout. Je veux rien d'autre. Et donc, il y a voilà l'embrouille. Enfin, ça n'a pas duré longtemps, mais il y a voilà l'embrouille. C'est du business, forcément. Donc, Van McCoy va partir avec le groupe. Ok, mais si vous voulez, Zulema, elle va rester. Mais elle va pas partir comme ça. Mes autres, ils vont pas partir comme ça. Puisque même les membres du groupe, ils vont continuer à bosser avec elle sur les albums La Sussex. Mais c'est pour l'oseille. Mais Van McCoy, lui, ça va, c'est pas possible. Et donc, si vous voulez, à ce moment-là, elle va signer donc un contrat, un deal avec Clarence Avant. Et c'est cet album. C'est cet album-là qui va sortir. De Zulema. Magnifique LP, mais un truc de dingo. Comment vous dire? Mais Zulema, c'est juste cet album-là, magnifique. On regarde bien l'année, de 1972 toujours. Berthe de Cocteau va se greffer ici, mais surtout, Clarence Avant, il va être l'exécutif producteur. Mais je vous dis, il est à fond sur elle. Il la lâchera pas. Alors je sais pas s'il y a eu un truc entre eux. Ouais, je vais pas aller jusqu'à là quand même. Mais disons que il lui a tapé sur la tête, il est devenu dingue. Fait que c'est quoi cet artiste? Et donc derrière, on retrouve donc plein d'artistes. Il y a des reprises, forcément, la fameuse reprise qu'elle a fait de Marvin Gaye, qui est tout simplement Elvis World Real Man, qui est une pure boucherie. Cette version-là, je crois, c'est une des meilleures qui existe. C'est un album magnifique. Donc Zulema va commencer avec ça. Très rapidement, elle va ressortir un deuxième album pour vous parler vite fait de Zulema, hein, parce que je ne veux pas rester sur elle, c'est Mike Stokes. Hein. Mais après, il y a cet album-là qui va sortir, le Miss Z de Zulema sur label Success. Et derrière, je regarde un petit peu si on retrouve un peu Mike Stokes. Il semblerait que Mike Stokes n'y soit pas. Donc on retrouve Bobby Taylor et Jane Page qui sont à l'œuvre sur celui-là, mais qui étaient aussi, il me semble, de l'autre. Mais en tout cas, voilà, c'est surtout Bobby Taylor et Jane Page, ça c'était en 73, c'est l'année d'après. Et si vous voulez, Max Stokes, je regardais un petit peu, il n'y est pas crédité. Donc ce qui se passait, c'est qu'à cette époque-là, Max Stokes était sur d'autres projets. Et je vais vous en parler tout de suite. Mais je voulais juste terminer avec Zulema, parce qu'on reviendra sur cette dame, grande diva. C'est un album magnifique celui-ci aussi. Les deux qu'elle a fait sont juste des albums de géants dans la soul. Il faut absolument les posséder. Donc je vous les remontre au cas où vous ne les auriez pas vus. Donc Zulema et celui-ci, il faut les posséder. Et je dirais que le complément vraiment avec le Zulema de 72-73, ça serait aussi celui-là. Donc ces trois albums-là, vraiment à posséder. Ok, si vraiment vous voulez avoir la trilogie de Success 72-73 de Zulema, c'est ces trois-là. Vraiment, prenez-les et vous allez être comblés. Hein. Vraiment, c'est que du bonheur, que du très bon son. Bon, de là, vous allez me dire, Max Stokes, qu'est-ce qui se passe? Bah oui,
Parce que lui, ça y est, il a travaillé sur le Feefo, il a travaillé sur le Zulema, mais qu'est-ce qu'il faut qu'il avance encore? Parce que là, il était coproducteur, donc là, il n'était pas encore le truc. Et là, il va aller voir Clarence Savante, mais il se dit, attends, moi, je veux être producteur complet. Je veux vraiment faire mon premier LP en tant que producteur, s'il te plaît, laisse-moi ma chance. Et là, Clarence Avant, il va lui dire, ah, c'est bon, bon allez, c'est bon, allez, vas-y, va faire ce que t'as à faire, il n'y a pas de souci, mets en place un groupe et je vais voir ce que je vais voir ce que tu veux en fait. Et là, il va aller un peu cogiter dans sa chambre d'hôtel et il va appeler, il va passer quelques coups de téléphone. Et il va appeler, si vous voulez, des membres d'un groupe qui s'appelait Soul Partners. Ce groupe Soul Partners, c'était des gens qu'il avait connus à l'époque, à la fin des années 60, 70, qu'il avait connus quand il était chez Schibsted, Motown, etc. Il a côtoyé tellement de monde qu'il connaissait quelques personnes. D'accord? Donc il les a appelés quelques-uns, d'autres traînaient à droite à gauche, et il les a fait venir. Et tout ce groupe-là s'est rendu en studio. Mike Hugstockz avait donc le budget pour faire un album en tant que producteur, en tant que producteur exécutif. Donc vraiment son premier gros travail. Là, c'était vraiment s'il se plantait, c'était fini, il pouvait arrêter tout. Et là, va naître un album déception. Le groupe que Mike Hugstockz va gérer en 72, ils vont faire un album de toute beauté. Pour moi, c'est un album exceptionnel. Vraiment, là, on est au-dessus du haut de panier. Je crois que c'est une de ses plus grandes productions en réalité, hein, des années 70. J'ai beau chercher, parce que vous allez voir, je vais vous montrer des tonnes d'albums qu'il a produits, où il était dessus. C'est vraiment, je pense, il est dans le top 2, top 3 de ses productions des années 70. D'accord? Après, les années 80, c'est autre chose. Parce qu'il y en a, ils vont même le mettre au top 1, voire top 2 dans les années 80. Mais moi, dans les années 80, vous me connaissez, j'adore la funk, j'adore Boogie, l'électro, tout ça. Donc, il y a quand même l'album d'Utopia d'Enchantement qui est exceptionnel. Mais il n'y a pas que ça. Je vous parlerai d'autres choses. Mais voilà, c'est compliqué de dire quelle est une des prods les plus magnifiques de Max Stokes, parce qu'il y en a plein. Mais cet album-là, vous vous demandez c'est lequel? C'est un album qui n'est pas très connu en réalité. Il est très peu connu. Et pas, je vais vous le dire, c'est celui qui est juste derrière moi. C'est pas le Creative Source, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est ça. Vous connaissez ça? Segment of Time. C'est un album déception, mais vraiment déception. Je pourrais vous en parler pendant des heures tellement j'aime cet album-là. Donc voilà, Max Stokes, producteur à fond, ingénieur, on retrouve Milan Bogan. Et c'est sorti donc en 72 sur Success, ce que je peux vous dire. En plus de ça, aux arrangements, il y a Willie Shorter. Si vous voulez, c'est pas des gens très connus parce qu'ils viennent tous du label du groupe Soul Corner, Soul Partner, ce que je vous expliquais. Mais ils vont être connus par la suite et je vais vous dire pourquoi. Alors je regarde juste un truc, je regarde un petit peu les noms parce que vous savez qu'on fait ça un petit peu à l'arrache hein, dans les comptoirs de la funk et Soul Corner. Donc voilà, on voit bien là officiellement, c'est bien Max Stokes qui prend en main ce groupe-là. Et si vous voulez, cet album-là, c'est un de mes albums préférés de tous les temps de Michael Stokes. Il n'est pas très connu en plus, c'est ça qui est intéressant. Donc si vous ne l'avez pas, jetez-vous dessus. Je vais vous faire écouter. Il y a énormément, énormément de sons. Je vous le dis. Vraiment une grosse, grosse boulette. Il y a des sons magnifiques, un peu du modern soul, mais avant l'heure. De la mélodie. Il y a des passages musicaux de cuivre. De violon, ce que vous voulez, mais comment dire, c'est propre, c'est de la crème, c'est de la crème fouettée, tellement c'est bon. Mais je vous dis, c'est sucré. Voilà, c'est un album magnifique de Michael Stokes que je voulais vraiment vous présenter et qu'on va écouter parce que vraiment il vaut le coup. Et de là, le groupe Segments of Time, Michael Stokes par rapport à ce groupe-là, ça va être un succès pour lui, il est content, tout le monde est content, mais. Si vous voulez, quand je dis succès pour lui, mais c'est pas succès commercial, on est d'accord. Donc de là, si vous voulez, Clarence Avant ne va pas aller de l'avant avec ce petit jeu de mots, avec ce groupe-là, il va décider de les laisser tomber. Si vous voulez, c'était quelque part l'histoire de donner un peu des croquettes à Max Stokes, hein, parce que Clarence Avant, il en a un petit peu marre, il lui dit je vais être producteur, donc il lui a donné ce disque-là. Et finalement, Clarence Avant, il a été surpris. Ouais, il dit mais il m'a fait un album de toute beauté, même si ça n'a pas marché. Il est prêt, et de là, eh bien, Max Stokes est prêt enfin à réaliser son rêve. Mais avant,
je vais vous parler un petit peu de Segments of Time, parce que qu'est-ce qu'ils sont devenus? Why should some people live a high on the
Et donc, laissez-moi vous parler un tout petit peu du groupe Segment of Time, parce que c'est un peu intéressant. Et il y a en fait une chose que j'ai remarquée, que j'ai constatée, et un fait très, très étrange, très mystique. Et je voulais vous en parler. Le groupe Segment of Time, en réalité, c'est un groupe qui, à la base, est un ensemble musical en fait, d'artistes qui vit en fait de deux groupes. Sur les deux groupes, le premier, c'est Royal et Skill. Et le deuxième, c'est Soul Partners, comme je vous expliquais. De là, les membres vont venir et former, donc, comme je vous expliquais, cet album magnifique de Segments of Time. Jusqu'à là, tout va bien. Max Tox prend donc le relais. Il va travailler avec eux. Et pour la petite histoire, je vous avais expliqué qu'il les avait un petit peu... Certains, ils les connaissaient déjà, parce qu'en fait, si vous voulez, à l'époque, il y avait un titre qui était sorti sur... pas de Segment of Time, mais je crois que c'était les Soul Partners, il me semble, Royal Skir, je sais plus. Je vais vous le dire là, dans la vidéo, je vais mettre le macaron, c'est le plus simple. Il y a eu un 45 tours, si je veux pas dire de bêtises, un 45 tours qui est sorti sur label Scepter. Et je vous avais dit que Max Tox avait bossé sur label Scepter. Et donc là-bas, il s'est fait plein de potes. Il a rencontré plein de gens. Et donc forcément, la connexion avec ces artistes était déjà là, était déjà mise en place, si vous voulez. Et donc. Cet album va naître avec quelques artistes. Et en fait, ce groupe-là, comme je vous l'ai dit, ça n'a pas fonctionné. Ou plutôt, je pense que Clarence Avant va lâcher l'affaire, va pas leur donner plus de crédit que ça. Max Tox, lui, eh bien, il part sur d'autres aventures, et je vais vous raconter ça juste après. Mais pour revenir à eux, en fait, les membres de ce groupe-là, certains membres de ce groupe-là, en fait, si vous voulez, c'est pas ce membre-là, je dis une bêtise, donc... Je vais repartir au début. En fait,
le groupe Royal Esquire est Soul Partner, si vous voulez. Ces deux groupes, il y a des membres qui sont venus sur Segment of Times. Voilà ce que je voulais dire. On va y arriver. Et le reste des groupes, ils sont partis ailleurs. D'accord. Et si vous voulez, c'est très étrange puisque tout ce joli monde se connaissait. Il y avait sûrement des connexions avec Michael Stokes. Et il y a un truc qui s'est passé. Donc, parce que là, vous avez Segment of Times, mais il y a un autre groupe qui, lui, va sortir un autre album. Et ce groupe-là, qui existait déjà, qui avait essayé de percer. Et ce groupe-là, si vous voulez, c'est celui-ci. Buckeyes Politicians. Et c'est un album magnifique que moi, j'aime beaucoup. Et donc, c'est sorti en 60, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, 75, mais il y a écrit 76. Mais c'est un album de 75. Et il y a un truc très étrange. Cet album, c'est pourquoi je vous en parle. Parce qu'il y a un truc très très étrange. Et je vais vous montrer le label. Vous allez halluciner, mais c'est très très étrange. Regardez bien. Le label. C'est le label Utopia. Ça vous dit rien, Utopia? C'est quand même étrange. Mike Stokes, il avait appelé l'album Enchantement Utopia. Mais au-delà de ça, Utopia, c'est bien plus que l'album d'Enchantement. Puisqu'il me semble que c'est la maison de prod et le studio qui l'a créé, Utopia. Et je vous avais parlé déjà, toute l'imagerie, la féerie, l'espèce de délire qu'il y avait sur cette espèce de monde utopique que Michael Stokes désirait fonder, former et y être. Eh bien, on retrouve donc sur cet album-là, la belle Utopia. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est quoi ça? Pourtant, parmi ces gens-là, il n'y en a pas qui sont sur le Segment of Times. Mais par contre, le groupe est connu pour avoir bossé justement sur la belle Scepter. Buckeyes Politicians, il y a un maxi, il y a un 45, pardon, sur le Scepter. Ce qui est très étrange. Donc, quelle est la relation? Je trouve ça étrange qu'il y a un label Utopia, ces gens-là se connaissaient déjà. Est-ce que l'histoire de Mike Stokes et son monde utopiste existait déjà à l'époque de Scepter? Je trouve ça très étrange. Après, on peut également imaginer que finalement, Mike Stokes, qui va retrouver ces gens-là entre 75 et 76, je rappelle, bon, je vais vous raconter l'histoire après, mais déjà, juste pour que vous sachiez, le label Sussex, je vais vous en parler après, mais le label Sussex, forcément, il ne va pas continuer longtemps. Et à un moment donné, il s'arrête. Il va y avoir une faillite. Évasion fiscale, mais je vais vous en parler après. Et donc, tous ces jolis mondes vont partir. Et Mike Stokes, il va partir. Et Mike Stokes, il va chercher des nouveaux labels, il va chercher des nouveaux modes de production. Et c'est vrai que cet album de Buckeyes Politicians, il est sorti justement après le succès. Et je me pose la question, je me dis, est-ce que c'est pas Mike Stokes qui serait derrière ce label? Qui serait derrière ce qui aurait peut-être aidé ce groupe? Parce que c'est un label un peu étrange. Il y a un peu tout. Je crois qu'il y a le groupe Magma, il y a des trucs un peu rock. Il n'y a pas grand-chose. Mais c'est très étrange. En tout cas, c'est peut-être une coïncidence. On ne le saura jamais. C'est quoi cette histoire de label Utopia? Et la connexion est peut-être entre Buckeyes Politicians et Mike Stokes. Mais ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, les gens de Buckeyes Politicians, qui viennent de Royal Esquire et de Soul Partners, vont former également Segment Times. Et Buckeyes Politicians. Donc c'était une petite anecdote, une petite histoire que je voulais vous passer. C'est peut-être étrange, hein, c'est vrai, peut-être une coïncidence, mais c'est quand même étrange que Utopia, le label Utopia, apparaisse sur ce groupe-là qui avait déjà bossé avec Mike Stokes. Alors ce groupe-là, Buckeyes Politicians, je vais en parler vite fait, hein, parce qu'il y a des choses à dire. C'est un super album, hein, je vous le dis franchement, moi j'aime beaucoup cet album-là. Je vais vous le faire écouter. On va en profiter pour la vidéo pour vous faire écouter et pour vous faire le connaître, ce disque si vous ne connaissez pas. Mais surtout, pour ceux qui sont dans la funk, je vous ai sorti quelques disques de Buckeyes Politicians, parce qu'en fait c'est un groupe qui va galérer, parce que l'histoire de ce groupe là elle est intéressante aussi. C'est qu'avant de faire cet album là ils ont fait un autre album avec Alan Parsons. Vous connaissez tous Alan Parsons Project. Et en fait ils ont fait un album avec Alan Parsons, et ce qui s'est passé, c'est que les bandes, les démos, elles ont été envoyées par la British Airways en avion, et elles ont été perdues. Ils n'ont plus jamais retrouvé les bandes, en fait. Ils étaient vénères. Donc, le groupe Buckeyes Politicians, ils avaient la haine. Et du coup, ils se sont dit, bah, on va arrêter là. Mais ils ont quand même fait un dernier effort. Et ils ont fait cet album.
Mais cet album-là n'aura aucune promotion parce que c'était distribué par RCA. Au-delà du fait que ce soit Utopia, c'était distribué par RCA. Et RCA ne va pas mettre de promotion, ne va pas mettre de billes, ne va pas faire de promotion sur cet album. Et ça va être la cata. Et ils vont tous être dégoûtés. Et du coup, tout le monde repart. Et je crois qu'ils étaient tous de l'Ohio, Dayton ou je sais pas quoi. Ils vont tous repartir là-bas. Ils vont arrêter leur carrière. Il y en a qui vont arrêter leur carrière, d'autres ils vont partir faire pompiste, boulanger, je sais pas quoi. Ils vont galérer et tout. Ils sont complètement dépités. Et en fait, c'est seulement dans les années 80 où ils vont revenir par le biais d'un producteur ou de je crois qu'il y a le producteur Léon, je sais plus si je l'ai là. Je vais vous dire ça. Léon Robinson du label San. Pour ceux qui connaissent ce label-là de funk. Santon, qui va aussi les relancer. Voilà, c'est un petit label basé sur Ohio, Santon, mais il y a eu quelques petites bricoles, mais Léon Robinson est quand même un peu connecté avec eux, mais c'est pas méchant. Ils vont pas faire long feu, ils vont faire donc ce petit 45, ce petit maxi assez obscur, Skin Tie, qui est une espèce de reprise de Ohio Players, mais en mode funky, avec de la basse et tout. Moi j'aime bien, mais après ça dépend les goûts des uns des autres. Mais assez, je crois qu'il n'y a pas de vidéo de ce titre-là sur YouTube. Du coup, je vais en profiter pour vous la mettre dans l'émission. Je crois qu'on ne le trouve pas, il est assez rare. Je crois qu'il est quasiment invisible ce maxi. Donc je vais vous le faire écouter ou le faire découvrir. Ils ont fait un autre truc que moi j'adore beaucoup. Bon, il y a un 45 tours. Alors le 45 tours, je ne l'ai pas physiquement, donc je ne peux pas vous le montrer. Je vais le mettre là ou là. Mais c'est un 45 tours de ouf, moi j'adore. Et je peux vous dire que c'est une bombe. Et si vous avez la possibilité de mettre la main dessus, allez-y, c'est aussi un super 45. Et après, moi, il y a un autre maxi que j'aime beaucoup. Je ne vais pas vous dire tous les noms, je ne vais pas vous sortir tous les disques qu'ils ont fait, mais moi, il y a un maxi que j'aime beaucoup qui est sorti sur le label Macola Records. C'est celui-ci, c'est le Rhyme the Rhythm. Il est mortel. Ça, c'est vraiment une bombasse de chez Bombasse. Et donc, si vous voulez, Buchanan Politicians, ils ont fait quelques bricoles. Et à la suite de ça. Ils vont un peu disparaître, donc voilà, ils vont. C'était juste anecdotique, mais je voulais quand même vous parler de ça, parce que je sais que sinon je n'en parlerai plus jamais, donc c'est déjà fait, ça on passe à autre chose. La collection stock, c'est pas Buchanan Politicians, mais il y a un petit délire sur quand même le label Utopia, vous avez vu. Et donc, si vous voulez, maintenant on va revenir à nos moutons, parce qu'on va parler du groupe, on va parler de Mike Stocks et de la suite de sa carrière. Bah oui, parce que si vous voulez, Mike Stocks. En 73, à l'issue donc du segment Times, Clarence Avant, il va lui dire « Vas-y, tu peux continuer à faire des prods, tu l'as prouvé, t'es un bon producteur et en plus tu assures bien les gars derrière, donc lance-toi encore. » Et on était en 72, et donc en 72, fin 72, il va rentrer dans un groupe qui va lui être amené par Clarence Avant, parce qu'il va lui dire, écoute, t'as un nouveau groupe qui arrive, là, un peu comme l'effet Fait Open Charity, je voudrais bien que tu t'en occupes, et ce groupe-là, il y a un ténor qui est Mr. Townsend, qui nous vient du groupe Five Dimensions, et c'est un duo, enfin, c'est une équipe d'artistes qui nous vient un peu de plusieurs formations musicales, et en fait, ce groupe-là, si vous voulez, bah, c'est le groupe Creative Source. Donc, laissez-moi vous raconter, quelque part, un peu l'histoire de Creative Source. Et donc, si vous voulez, en 72, va naître la rencontre entre le groupe, qui est constitué de Barbara Lewis, Céleste Rose, Don Yatt et Steve Flanagan. Et donc, comme je vous ai dit, ils viennent de plusieurs formations. Ils ont fait plein de petits 45 tours dans les années 60. Et donc, ils cherchaient un peu à créer un groupe entre eux. Et c'est par le biais d'un protagoniste, comme je vous l'ai dit, du label du groupe Fifth Dimension que va naître le groupe Creative Source. Alors le nom Creative Source aussi, hein, ça peut poser des questions. On se demande qui a décidé du nom. Moi je pense que c'est Mike Stocks avec son imaginaire Creative Source. Et puis si vous voulez, quand on regarde la pochette du premier LP qu'ils ont fait, donc en 73 va sortir ce magnifique LP, on les voit un petit peu sur une espèce de nuage... c'est très beau, c'est très propre et on les voit en plus en gatefold. Moi j'adore cette magnifique pochette, ces magnifiques albums. On les voit tous présents. Et donc, si vous voulez, en 73 va naître cet album où dedans c'est produit voilà, par Mike Stocks. Aux arrangements, on retrouve Paul Reiser. Vocal arrangement, donc il y a une grosse pointure, c'est Skip Scarborough.
Et voilà, c'est donc c'est enregistré au studio de Détroit, etc. Vraiment, super album, complètement dingo. Il y a des reprises de Bill Weaver, il me semble, je crois que c'est le morceau Who Is He and What Is He to You, et un autre morceau qu'il avait fait aussi. Je ne veux pas dire de bêtises, je regarde un petit peu parce que vous savez que Let Me Be In Your Life, voilà, c'est donc des reprises de Bill Weaver, mais qui sont magnifiques, forcément. Là, vous avez le morceau Who Is He and What Is He, bon, pour moi, elle dure 11 minutes 45, mais c'est une boucherie, mais vraiment une grosse boucherie. Après, vous avez Magic Carpet Ride, qui a eu une reprise aussi, mais j'ai oublié de qui c'était, mais je vais le mettre là, je vais vous le noter là. Sur la vidéo. Et voilà, il y a une autre reprise, il me semble aussi, mais si vous voulez, ah oui, voilà, il y a You Can Hide Love, qui est, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, qui a été. C'était je crois que l'origine c'était Earth, Wind & Fire, ou c'était l'inverse, je ne sais plus. Là, j'ai un doute pour le coup, mais je crois que c'est Earth, Wind & Fire qui chantait ça. Et là, vous avez une version magnifique. Mais si vous voulez, c'est un album qui va rentrer dans la légende de la soul et qui va emmener le groupe vers des cieux importants. Et notamment. Vers le biais de la gloire quelque part, même si ils vont pas vendre énormément d'albums, mais quand même ils vont pouvoir faire plusieurs albums. Et donc ça c'est le premier LP, et si vous voulez, Max Tox va faire vraiment quelque chose de fabuleux avec cet album-là. Et là, ils rentrent vraiment dans la cour des grands, succès d'estime, critique, il y a eu un petit succès, et de là, bah, Clarence Avant, il est conquis, et il accepte qu'il y ait une suite à cet album-là. Et donc, à partir de là, il y a un autre album qui va sortir très rapidement. En 74, je vais pas dire de bêtises, voilà, 74, il y a celui-ci qui sort, le Creative Source Migration. Et donc, je vais regarder un petit peu les crédits, comme d'habitude, on fait ça à l'arrache. Et donc, on va retrouver, voilà, Max Tox, Bill Weaver avec le titre Harlem, toujours Skip Scarborough, j'ai du mal à dire son nom. On retrouve Carole King, la reprise de Colasone, d'accord. Voilà, il y a dedans Ray Parker Jr. Là, vraiment, il y a Wawa Watson, hein, il était là. Hein. Je vous avais expliqué l'histoire de Ray Parker Jr., Wawa Watson, Ernie Wass, Nathan East, Holly Brown. Vous voulez l'histoire, le comptoir de la funk avec Holly Brown. Voilà, vous voyez, ça aussi, ça fait partie de ça. Et on retrouve derrière, bien sûr, Clarence McDonald, synthétiseur Ralph Terrana. Et ce qui est très intéressant, voilà, ça y est, on y est. Parce que je crois que même dans l'autre, il était déjà. Mais je vous avais expliqué que Max Tox. Il kiffait les pianos, les orgues et tout, il s'intéressait à ça, et il en faisait. Bah ça y est, il est crédité là-dedans. Eh oui, regardez. Au Keyboards, on retrouve Clarence McDonald, Skip Scarborough et Max Tox. Ça y est, la carrière du keyboardiste Max Tox est née. Bah oui, parce il est producteur, mais maintenant, il est aussi keyboardiste. Et donc là, il joue dans la cour des grands. Et cet album-là, il n'y a pas que ça dedans. Il y a des surprises. Bah oui, parce que je ne vous l'avais pas dit. Mais je crois, je vais pas dire de bêtises, je vais revenir sur cet album-là, le premier, mais je suis pas certain, je regarde 2 minutes parce que, encore une fois, je vous dis, je fais ça à l'arrache, hein. Ben voilà, tout s'explique. Ben oui, je regarde une dernière fois. Ah là, ça y est, bien sûr, comment j'avais pu oublier ça, comment j'ai pu ne pas me rendre compte de ça. Eh bien, figurez-vous que sur ces deux albums-là, eh ben, il y a le leader, qui est celui qui va devenir le leader. Du groupe Enchantement. Il y a Joe Thomas. Mais oui, Joe Thomas, il est là. Et il est là, bien sûr. Ils sont là. Mais je crois aussi, parce que maintenant je viens de m'en souvenir, que dans le segment Times, je crois qu'il y est aussi. Ou c'est un autre. Bah oui, je vous dis, on fait ça à l'arrache. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a un autre artiste dans le segment Times. Et donc, si vous voulez, eh bien voilà, on y est. Ce que j'avais oublié de vous dire, mais oui, dans cet album-là. Et dans cet album-là, il y a Joe Thomas, un des leaders du groupe Enchantement. Et j'avais oublié également de vous dire qu'en 72, il y avait un album de Donny Coffey qui était sorti. C'était, je crois, le Going for Myself, je crois que c'était 72. C'était Emmanuel Johnson, bah, le chanteur leader du groupe Enchantement, qui était dessus, dans les backing vocals. Et en fait, c'est vrai que Joe Thomas, Emmanuel Johnson, et je crois qu'il y en avait un troisième, ils traînaient. Un petit peu sur Label Success pour faire des backings et du travail, d'écriture et tout. Et j'avais oublié de vous le dire. Dans le mag 4, c'est ça que je voulais vous dire. Parce que je vous avais dit j'avais fait deux petites erreurs. La première, c'était forcément le neveu de Bérégory qui était en fait un mytho, qui n'était pas le neveu. Et la deuxième chose, c'est ça que je voulais vous dire. Je vous avais expliqué que le groupe Enchantement a été remarqué au cours d'une soirée fashion.
chez la femme de Michael Stocks. Et de là, Michael Stocks les a convoqués, et on leur a dit, voilà, on va faire travailler ensemble. Mais en fait, ils se connaissaient déjà, par le biais de ça, et de Denis Coffey, parce que Denis Coffey, là où Imagine Johnson a bossé, il y avait aussi Michael Stocks. Je ne vais pas présenter la pochette, mais je vais la montrer. Le Denis Coffey, il est là. Ben, dans ce Denis Coffey là, il y a Imagine Johnson. Il était déjà là, donc il était déjà sur Success. Et en fait, ils se connaissaient déjà. Mais si vous voulez, l'histoire, c'est qu'en réalité, ils se connaissaient en tant que camarades de travail, professionnels. Mais Mike Stocks, il savait pas qu'ils avaient un groupe, en fait. Parce que chacun travaillait. Je vous avais dit que le groupe Enchantement, avant de s'appeler Enchantement, bah, ils essayaient de manger à droite à gauche. Il fallait qu'ils nourrissent leur famille. Donc, ils ont essayé de faire un groupe, ça marchait pas. Et ensuite, le groupe Enchantement, il va commencer à aller à droite à gauche dans les backings vocaux, dans les écritures, etc. Et donc, ils étaient à la Sussex. C'est pour ça, en fait, tout est relié. Vous voyez? Et donc, à un moment donné, effectivement, ce qui va se produire, c'est que Linda Stocks, qui connaissait Joe Thomas, il me semble, c'était Joe Thomas, puisque c'est lui qui était le plus sur le label Sussex, il va l'appeler. Et de là, Joe Thomas va appeler ses potes, qui faisaient partie du groupe Enchantement, avant de s'appeler Enchantement, mais avant que Max Stocks les connaisse vraiment. Et là, Max Stocks, il était donc dans cette fashion, et il va voir les membres. Et forcément, il va reconnaître certains membres. Il dit, mais je les connais, j'ai déjà bossé avec eux. Et il forme un groupe Enchantement. Et c'est de là que lui, il va dire, bah, en fait, le groupe en lui-même, il est magnifique. Et il les a appelés, il leur a dit, ah, bah, comme ça, on bosse ensemble déjà. Mais vous êtes dans un groupe, j'étais même pas au courant. Ou... Voilà, et c'est de là qu'est née l'histoire. Et ça, c'était, si vous voulez, c'était Emma Johnson qui l'avait dit. Mais encore une fois, j'ai dû aller pisser et j'ai dû rater. L'histoire où il racontait qu'en fait ils se connaissaient déjà, mais que Mike Stock qui ne savait pas qu'ils étaient un groupe, le groupe Enchantement. Et c'est après que ça va se mettre en place. Bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, Mike Stock se connaissait déjà par le biais de ses deux albums, le leader de Enchantement. Parce que le leader d'Enchantement, finalement, c'est Joe Thomas et c'est pas Emmanuel Johnson. Mais bon, quoi qu'il en soit, on va parler de cet album-là. Cet album-là, Boucherie, avec des morceaux exceptionnels, mais vraiment, vraiment exceptionnels. Migration, Keep on Moving, et bien sûr le morceau Harlem. Il me semblait qu'il y avait un autre son de ouf. Bien sûr, I Just Can't See Myself Without You. Bref, c'est un album déception. Moi, j'aime beaucoup aussi. Je vais vous le faire écouter. C'est sorti en 74 sur la label Sussex et vraiment très belle LP. Donc, si vous voulez, voilà, on était en 74 et là, voilà donc les deux albums de Creative Source et les deux seuls derniers albums de la Suisse sur de Creative Source. Avant de poursuivre, je vais quand même vous donner quelques références. Sachez que Mike Stocks, il va également bosser sur quasiment la moitié du catalogue. Bah oui, parce qu'il va être un peu partout. Parce qu'en réalité, là, je vous parle vite fait, parce qu'on va arrêter de parler de Suisse. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais si vous voulez, Michael Stocks, il va être partout. Il va quasiment même, j'ai envie de vous dire, passer le balai sous le bureau de Clarence Avant. C'est un truc de dingue, il est partout. Donc, que ce soit avec les Soul Searchers, Chuck Brown Soul Searchers, Denis Coffey, donc je l'ai expliqué, Bill Weaver, etc., etc. Et donc, c'est vraiment assez impressionnant ce qu'il a fait. Il a fait un peu de tout. Mais en 75, eh ben, il va se passer un truc qui va laisser des traces. Et en fait, il s'avère que Clarence Avant, il a un petit peu comme à la Stax avec les Al Bell et les Jim Stewart, c'est que quand il y a trop d'oseille, bah, le problème, c'est qu'on a du mal à le gérer, cette oseille. Et si vous voulez avoir des artistes comme Bill Weaver ou Denis Coffey, qui, surtout Bill Weaver, qui commençait à ramasser un cash flow de dingue, il fallait le tenir et surtout, il fallait pouvoir tenir une comptabilité. Et forcément, à ramasser des millions comme ça qui tombent du ciel, grâce à des artistes, c'est assez tentant. Et donc, si vous voulez, Clarence Avant va devoir fermer les portes de Success pour évasion fiscale. Ben oui, il va essayer de gratter des billets, il va faire une évasion fiscale, il va se faire attraper. Mais bon, il va rembourser, hein, parce qu'après il va revenir. On va revenir, c'est un grand monsieur, hein, c'est pas pour rien qu'il s'appelle le Black Godfather, le parrain noir, c'est un truc de dingue. Oui, évasion fiscale. Et Magouille et compagnie, c'est encore une fois, à cette époque-là, il y avait plein de trucs comme ça qui sont passés. Et c'est marrant que ça soit l'année 75, encore comme avec la Stax. C'est très étrange toute cette affaire-là. Après, bien sûr, il y a des jalousies. Il y a beaucoup de jalousies, beaucoup de concurrence. Et puis c'est vrai que, on va se mentir, le business avec les blancs, ils aimaient pas trop. Les blancs, ils aimaient pas trop que les blacks.
ils réussissent comme ça. On va pas se mentir, c'était l'époque qui voulait ça. Et donc souvent il y avait des contrôles, des contrôles surprises, on va dire, mais on ne sait pas pourquoi. Après, bon voilà, Bill Weaver, il rapportait tellement de cash flow, ça a été obligé à un moment donné qu'il y avait des gens qui voulaient le récupérer. Donc voilà, c'est un petit peu le jeu des. Voilà, on n'est pas dans le mercato, mais au foot, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu. Voilà, c'est tentant de vouloir faire des coups de pute entre maisons, entre labels. Et donc Clarence Savant, lui, voilà, il a remboursé, et puis ensuite il est parti, je vous ai dit, il va atterrir chez Tabu, et il va avoir un succès encore plus fort que celui de Success. Voilà, et ça va être un truc de dingue. Et donc, si vous voulez. Il y a l'histoire de Clarence Avant, je ne vais pas vous la raconter, puisque vous pouvez la trouver partout sur Internet. Mais c'est un grand monsieur, on y reviendra sur le label Tabu très bientôt. D'accord? Avec entre autres Sigidi, etc. Ok? SOS Band et bien d'autres encore. Et donc, si vous voulez, à la suite de ça, Mike Stocks, il est à la porte. Bah, son fameux label de carrière. Bah, il est à la porte et il comprend plus rien. Lui, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais comme il avait tellement de relations, bah voilà, lui, il s'est dit, je vais juste avoir besoin de frapper à quelques portes et ça va le faire. Et effectivement, il a eu raison, puisqu'en 75, il va d'abord frapper à la porte de Polydor. Ok? Et donc, il va frapper à la porte de Polydor avec quelques projets, parce qu'il va pas partir, il va pas arriver les mains dans les poches. Donc, les projets, notamment, c'est Creative Source. Donc, il arrive avec Creative Source dans un premier temps. Et il va proposer à Polydor bah, de continuer l'aventure Creative Source, tout simplement. Et là, va sortir cet album-là, de Creative Source, le Pass de Feeling On. Cet album-là va sortir donc en 1975. C'est un album magnifique, dans la même tradition que les deux premiers. Album Déception, mais vraiment, vraiment magnifique, Déception. On va faire comme dans l'autre, je vais regarder un petit peu toujours. Avec Skip Scarborough. On retrouve Earl Thomas, qui n'a rien à voir avec Joe Thomas, mais c'est quelqu'un qui est très connu aussi. On en reparlera d'ici là. Production toujours Mike Stocks, qui a pris du galon complètement dingo. On retrouve donc également sur cet album-là des personnalités complètement dingues. Il y a des personnalités qu'on parlera dans Contour la Funk, comme Charvin aux strings arrangements. C'est lui qui c'est un des grands monsieur des strings hein, des années 70 et qui ensuite va faire deux albums magnifiques. On retrouve George Beauharmon, on va retrouver Mike Stocks dans les Keyboards, James Cabzon, il est là, Ray Parker Jr. toujours là, Eddie Brown, pour le coup, Eddie Brown, donc c'est Holly Brown au Congas, bah oui, c'est lui, donc Holly Brown et Ray Parker. Voilà un autre album que je vous avais pas montré dans la connexion Holly Brown, bah ils sont là. Skip Scarborough aux Keyboards aussi. Etc., etc. Il y a du lourd, il y a vraiment du lourd. Et puis, les albums, les titres exceptionnels de cet album-là, on n'a pas besoin d'en parler. Je vais vous les faire écouter. Ils sont juste magnifiques. Funky Luva, ou encore Pass de Feeling On, etc., etc. Vraiment un gros, gros morceau. Et de là, le groupe Creative Source va continuer. Mais avant de continuer, je veux vous parler de Mike Stocks, parce qu'on est sur le label Polydor. Parce qu'après, Mike Stocks, lui, donc en 76, pardon, je vais quand même parler de Creative Source. Après, je reviens sur Mike Stocks. Creative Source en 76 va faire cet album-là. Ok? Celui-ci, c'est le Considère The Source. Et cet album-là, je vais pas dire de bêtises, c'est bien 76, va sortir, mais va être produit par Brad Shapiro. Ok? Et donc cet album-là, production Brad Shapiro. On retrouve quelques personnes qui étaient encore là dans les autres, mais c'est vraiment un album qui va un peu changer. Bon, il y a toujours Earl Thomas qui est là, ce que je suis en train de regarder, mais bon, voilà, il y a pas mal de choses qui vont changer. Mais c'est un album magnifique aussi qui fait partie toujours du même délire, même musicalement parlant. C'est vraiment très très bon. Et donc, si vous voulez, dans cet album-là, on retrouve donc la patte de Brad Shapiro, puisque Mike Stocks est parti faire de nouvelles aventures et il a laissé le groupe aux mains de ce producteur-là qui va faire un album tout à fait convenable, très bon. Peut-être je dirais pas le moins bon des quatre, parce que celui-ci il est vraiment excellent aussi. Donc, parce que c'est quatre albums déception, hein. Mais vous vous rendez pas compte. J'ai du mal à dire que celui-ci c'est le plus pourri parce qu'il est vraiment incroyable. Il est génial. Je dirais peut-être que il est moins bon que le Migration. Il est peut-être moins bon que il est peut-être celui-ci il est peut-être moins bon. C'est peut-être celui-ci que je préfère le moins des quatre. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire. Mais celui-ci je l'adore.
Alors celui-ci, il est un peu plus disco, forcément, mais c'est un bon disco, c'est du bon disco, c'est vraiment un bon délire. Moi, j'adore. Je vous invite vraiment à mettre la main dessus si ce n'est pas déjà fait. Et donc, le groupe Creative Source, à partir de là, bah, ça va être la fin des haricots, forcément. Brad Shapiro ne va pas faire grand-chose avec ce groupe-là. D'ailleurs, tous les albums ont eu des succès plutôt mitigés, mais ça a toujours été des succès, comment vous expliquer, qui permettait au groupe de continuer. Mais si vous avez remarqué, c'était toujours deux disques. À succès, c'était deux disques. C'est pas sûr que si le label succès aurait continué, qu'il y aurait un troisième album de Creative Source. C'est pas sûr. Mais Polydor, quand ils ont pris le groupe, ils ont fait un contrat de deux albums. Et donc, à partir de là, après, c'est terminé. Et comme ça rapportait pas beaucoup de cash flow, bah, si vous voulez, ça a pas tenu plus longtemps que ça. Et donc, voilà le groupe Creative Source. Alors, vous avez vu, je vous ai fait un petit truc sur Creative Source. Il n'y a pas, peut-être pas trop de détails dessus, mais il n'y a pas grand chose à dire sur les protagonistes, sur les artistes, mais voilà, c'était vraiment, si vous voulez, je vais surtout vous les faire écouter, ok? Parce que ce qui nous intéresse vraiment, c'est Max Tox. Et donc, Max Tox, en 75, il est toujours à Polydor, donc c'est là que je voulais en revenir à lui, et en 75, il va faire donc la rencontre, 74-75, il fait la rencontre donc, de tout le groupe Enchantement, parce qu'il connaissait déjà donc, des gens, il fait la rencontre de tous les gens, de tous les groupes, du tout le groupe Enchantement, et de là, va être amené à la formation du groupe Enchantement, d'accord? Et donc, dans un premier temps, comme je vous l'ai expliqué dans la featurette que j'ai fait de 40 minutes sur le Mac Video 4, c'est une BO qui va sortir sur Polydor, justement. Sauf que cette BO ne va jamais sortir. C'est uniquement disques qui vont sortir, enfin, quelques disques. Surtout, il y a un 45 tours qui va sortir qui s'appelle Call On Me, j'en ai déjà parlé, qui est devenu assez chaud à trouver par les temps qui courent, mais qui n'est pas très rare en réalité. C'est juste que y a des petits malins aux États-Unis qui doivent le garder dans un petit coin et ils font spéculer le bazar, c'est comme souvent. Mais voilà, c'est sur le label Polydor. C'est peut-être pas sorti en grande quantité, mais en tout cas, il est devenu un peu rare. Mais l'album, si vous voulez, Deliver Us From Evil, d'où est sorti ce 45 tours-là, censé ne pas exister, existe en réalité. Il faut le savoir, ça. Donc c'est une réalité et je vais vous montrer ici la pochette et parce que les morceaux existent. Donc Deliver Us From Evil, la BO existe, mais si vous voulez, c'était resté dans les tapes. Et il y a une fondation qui l'a ressorti. Mais pour l'instant, il n'y a pas de vinyle, il n'y a pas de réédition derrière. C'est uniquement du digital que j'ai réussi à trouver grâce à cette fondation-là. Et ils l'ont fait en digital pour qu'on puisse écouter. Donc de là, le groupe Enchantement va naître. D'accord ? Et c'est le début de la formation The Enchantement sur le Roadshow. Et donc si vous voulez, moi ce que je vous propose, c'est de continuer cette aventure de Max Tox sur le label Roadshow, sur le label Unité d'Artiste, et sur toutes les connexions qui vont l'amener jusqu'à la fin des années 70, avec tout le reste des artistes que je vais vous dévoiler juste après. You know that it's true, but you're trying to
Everything from the very day we met.
Donc, je vous l'avais peut-être pas dit, mais il faut savoir aussi qu'entre 1974 et 1975, le label Roadshow était distribué par Scepter. Parce que le label Roadshow, il a été créé au début des années 70, mais c'est pas un label qui va tout de suite percer. Il y aura différents distributeurs et Marshall Fair, le président de Scepter, avant de partir à Prélude, il a distribué donc le label, le sous-label donc Roadshow sur le sol américain. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'il y avait eu cette connexion entre Max Stokes et le président de Scepter pour qu'il vienne justement Max Stokes à Roadshow. Okay? Mais ce qui va se passer, c'est que à la fin de la success, en fait, si vous voulez, ça va se jouer sur un mouchoir de poche. Ça va se jouer vraiment sur une année. C'est-à-dire que c'est l'année 75 où tout va se jouer. Puisque Marv Schalter, il va être distributeur chez 75, mais c'est l'année où Mike Stokes, il cherche donc des labels pour pouvoir produire, entre autres, les Creative Source. Mais à ce moment-là, effectivement, lorsque le président de Scepter va expliquer à Mike Stokes qu'il va s'en aller, il va quand même lui dire... Attends un petit quelques mois, le temps de voir comment on rebondit là-dedans. Et finalement, le président de Scepter va partir, mais il va parler un petit peu avec la unité d'artistes qui va en fait prendre la main sur Roadshow pour la distribuer entre, il me semble, 76 et 78 sur le sol américain et au-delà. Et de là, Mike Stokes, qui était déjà en contact avec la Roadshow en 75, va finalement venir s'y installer en 76. Mais donc en 75, comme il y avait encore cette petite transition, on n'était pas très sûr si Mike Stokes pouvait rester avec la nouvelle direction d'unité d'artistes, eh ben il va aller quand même frapper à la porte de Polydor. Donc en fait, si vous voulez, ça a joué à quelques mois où le groupe Creative Source aurait pu peut-être signer un deal avec la Roadshow. Puisqu'en fait, en 76, lorsque la unité d'artistes va reprendre la Roadshow, c'est là qu'il va revenir Max Stokes, et qu'il va revenir, et il va bosser avec Tash Howard, qui va reprendre les rênes de la Roadshow, et Max Stokes va être derrière aussi, puisque c'est lui et Tash Howard qui vont être en fait les gérants en fait de la Roadshow. Et c'est de là que va naître quelque part un petit peu la légende de BT Express, de Brass Construction, entre autres, sur la Roadshow, mais même si les premiers albums c'était unité d'artistes, bien sûr. On retrouvera aussi d'autres artistes, hein, comme les Winners, qui vont faire un seul album, qui n'a pas mal fonctionné. Mais de toute manière, moi ce que je vous propose, c'est que je vais vous faire défiler là, pour ne pas perdre de temps, pour que vous voyez un petit peu les œuvres qui sont sorties d'abord au début du label unité d'artistes, et ensuite sur le Roadshow, en fait. D'accord? Et ce qu'on va faire, c'est comme il y a tellement, tellement, tellement de disques qui sont sortis et que Michael Stokes, il a œuvré pour les faire sortir avec Tash Howard, parce qu'il faut bien comprendre, hein, ce que je suis en train de dire. Max Stokes, c'était quelque part celui qui disait oui ou qui disait non à tel artiste sur la Roadshow. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un truc de dingue. Il a été quand même, il a quand même côtoyé les membres de Brass Construction. Les membres de comment il s'appelle, comment s'appelle BT Express, et tout ça, l'album Function at Friction de BT Express, et c'était lui le patron, Mike Stokes. Alors bien sûr, il n'était pas sur les albums en tant que compositeur, en tant que parolier, etc., mais il était quand même dedans, faut le savoir. Et donc avec Tash Howard, ils ont fait quand même un travail de dingue pendant plusieurs années à la Roadshow, bien sûr. Moi, ce que je vous propose, en fait, c'est qu'on commence chronologiquement avec surtout les œuvres de Max Stokes. On va pas s'intéresser aux autres œuvres de BT Express, Brass Construction, etc., etc., donc Downing et tout, parce que c'est pas le moment de. On parle pas de la Roadshow en réalité, on va parler surtout de Max Stokes. Et donc, on va commencer tout simplement avec le disque qui a fait commencer vraiment, qui a lancé quelque part vraiment la carrière de Max Stokes vers les cieux, parce qu'à la success, c'était le tremplin quelque part, mais il n'avait pas été encore au-delà de ses capacités. Donc là, si vous voulez, il va arriver avec la Roadshow, et de la Roadshow, il va connaître deux succès qui vont le propulser. Et ces deux succès-là, je vous en ai déjà parlé. Le premier, bien évidemment, c'est cet album-là, d'Enchantement, avec notamment le titre Gloria et Sunshine, qui va les propulser. Ça, je vous en ai parlé dans le comptoir de la funk sur le Mac Video 5. Si c'est pas encore fait, allez faire un petit tour sur la featurette d'Enchantement, où je vous parle de tous les albums d'Enchantement. Ensuite,
Le deuxième LP, forcément, ça va être celui-ci, le Once Upon a Dream. Je vous rappelle que cet album-là, il est disque d'or, avec plus de 500 000 copies de vente. Et donc, lorsque ce disque-là est sorti, ça a été un succès. Et de là, Mike Stocks, là, c'est clair, il s'est envolé complètement. Donc, lui et Tash Howard, eh ben, ils vont être sur un petit nuage quelque part. Vous voyez? Et donc, de là, ça va vraiment les lancer. Et donc, comme je vous avais expliqué, tout ce joli monde va se réunir pour travailler sur cet album-là. Et à la suite de cet album-là, je vous avais dit qu'à la base, le groupe Enchantement, ils avaient travaillé sur des titres et c'était pas cet album qui devait sortir en fait. Celui-ci, c'est plutôt les costumes cravates qui ont décidé un peu des sons qu'il y avait sur cet album-là. Et c'est pour ça qu'ils ont tout misé sur les espèces de ballades ou bien sur des sons un peu plus pop, variété. Parce qu'en réalité, le vrai LP d'Enchantement qui aurait dû être en 77, c'était celui-ci en fait. Je vous avais raconté l'histoire déjà. C'était le Morning Noon and Night. Parce que l'album de Morning Noon and Night, les paroles, les compositions et tout ça, le backing vocal derrière, c'est Enchantement. Et donc c'était cet album-là qui devait être celui de Enchantement. Bon, c'est pas méchant. Mais disons que Michael Stocks, il va faire la rencontre d'un artiste qui s'appelle Sam Taylor. Et Sam Taylor va lui présenter les membres du groupe, qui sont en fait à l'arrière. Vous voyez? Je vais essayer de vous montrer mieux ça. Voilà. Il y a un petit peu de lumière. Voilà. Et donc, ces membres-là, c'était Eddie Willis, George Antwi, Roderick Chandler et Rudy Robinson. Et donc, le groupe Morning Noon and Night était composé, c'est des anciens de la Motown, ils viennent tous de la Motown, ils ont bossé avec les plus grands, et ils vont venir pour travailler sur cet album-là avec tous les autres membres d'Enchantement et d'autres artistes encore qui sont à l'intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, quand je regarde à l'arrière, on voit tous les noms, ils parlent, et surtout, il y a un truc très intéressant. Parce que là, ils remercient un peu tout le monde, Sid Meier, Tash Howard, Nick Albareno, etc., batata, batata, Dogs of War, Enchantement, voilà, et à la fin, il y a marqué. The house, et on remercie The house that Stocks build. Ça veut dire, on remercie notamment la maison que Mike Stocks a construit. Et là, il y a entre parenthèses, il y a marqué deux petits points, Linda, Sidney, Nipper, Nikita et Michel. Intéressant. Peut-être qu'on devrait s'intéresser à qui sont ces gens. Bon, Linda, on l'imagine, c'est Linda Stokes. Mais les autres, on pense à Sidney, ça serait Sid Meier, qui est un des fondateurs du label, il me semble, Roadshow, il faudrait que je vérifie. Ou de Untitled Artist, je ne sais plus trop. Bref, il remercie beaucoup de monde dans cet album-là. Et en fait, ce qui est très intéressant, cet album-là, qui est un chef-d'œuvre absolu, hein, je vous en avais parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, ce chef-d'œuvre absolu de Morning Noon and Night va être le seul. Parce que le groupe va disparaître. Ou plutôt, ils vont continuer un petit peu à travailler à droite à gauche. Mais c'est le seul album qu'ils vont faire. Pourtant, il y a le titre Bite the Granny. Ça va être un gros succès en Angleterre, dans les clubs. Et cet album-là, avec des morceaux comme Le Joint. Et oui, il y a un titre qui s'appelle Le Joint. Il y a aussi le morceau Time. Magnifique Time. Il y a des ballades incroyables. Et il y a également des sons qui vont être anthologiques sur cet album. Et donc, on se retrouve avec un album d'anthologie. Mais qui va être le seul de Morning Noon and Night, ok? Et malheureusement, ils vont disparaître un peu de la scène. C'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. À la suite de cet album-là, on va aller droit au but. Il y a un autre album qui va sortir en 77 et qui va quelque part ramener un joyeux larron en retrouvailles, j'ai envie de vous le dire, de Max Tox. Et ce larron, c'est Rob Matlock. Et Rob Matlock, il va pas arriver avec son album que vous connaissez, Love City, ça on parlera de ça après. Mais Rob Matlock, il va se greffer au groupe Enchantement, à Johnny Allen qui est toujours présent avec Max Stocks, et à Max Stocks pour travailler sur ce qui va être en fait une espèce de trilogie, une espèce de, pas une trilogie, mais j'allais dire une bêtise, une espèce de fresque musicale qui va commencer en 77 et qui va se terminer fin 80. Et cette fresque musicale va emmener Rob Matlock, Johnny Allen, Mike Stocks. Il y a des gens qui vont venir se greffer comme Gérard Mallory, je vous en reparlerai, et le groupe Enchantement sur des albums déception, mais vraiment déception. Et le premier LP qui va sortir, en fait, c'est Shirley César. Je vous le montre là. Shirley César, c'est une artiste de gospel, c'est celle qui va devenir vraiment la toute première diva de gospel importante.
Ah oui, parce qu'avant elle, bah, c'était pas vraiment, il n'y avait pas vraiment de grande madame quelque part, de grande diva du gospel. Et Shirley César, elle va arriver en 77 à faire cet album-là. Ça va être un fiasco, hein, je vous le dis. On va pas en parler pendant 10 ans, mais c'est un fiasco total. Mais par contre, c'est un bel LP et dedans on retrouve toute la sauce qui a fait le succès des deux premiers albums d'Enchantement, forcément, et ce qui va amener ensuite. Le travail et les compositions magnifiques de Ron Matlock, du duo Ron Matlock et Max Tox, parce qu'à partir de là, ils vont plus lâcher, jusqu'à la fin des années 80. Et si vous voulez, Shirley César, elle va signer chez Roadshow pour livrer des textes en évangélique, parce que en fait, elle a envie de se faire connaître, elle a envie de faire connaître un peu le gospel au plus grand public. C'est pour ça qu'elle va venir à Roadshow. Et son premier LP qui s'appelle First Lady, il a été donné, le nom a été donné par le boss du label, tout simplement parce que c'est la première dame qui est arrivée et qui a signé sur le label Roadshow. Donc c'était pour ça qu'ils ont appelé l'album de Shirley César First Lady, parce que c'est la première à avoir signé à Roadshow. C'est une très belle histoire. Donc malgré tout, ça va être un fiasco, mais on va avoir des belles compositions, d'accord? De là, on va enchaîner directement avec un album de Mark Kradis, que je vous mets là aussi. Mark Kradis, grand producteur, grand scénariste, compositeur, etc. Et donc, Mark Kradis, qui est donc un très grand monsieur de la scène, hein, des années 70, son troisième LP va être donc signé par Michael Stokes. Sur la belle unité de Roadshow. Il faut savoir que depuis le deuxième LP, Monsieur Mark Radis, pardon, sera sur la Roadshow, la United. Son deuxième LP est magnifique, hein, je vous le montre là, mais on va en reparler parce que je vais vous parler de Brass Construction très prochainement dans un comptoir de la funk. Et dans cet album-là, de 76, il y a le groupe Brass Construction. D'accord? Et ensuite, c'est Mike Stokes qui va prendre en main ce troisième LP de Mark Radis, qui est très intéressant. Je vais vous le faire écouter éventuellement. Mais il n'y a pas grand-chose à dire pour l'instant, puisque je vais vous reparler de Mark Radis sur le comptoir de la funk spécial Brass Construction, avec Jeff Lynne, Randy Muller, etc. Parce que c'est un trio légendaire de la unité d'artistes, et notamment de cette période de la fin des années, de la deuxième partie des années 70, sur le label Unité d'artistes et Roadshow. Okay? Donc on va passer rapidement sur Mark Radis. Du coup, je pense pas que je vais vous faire écouter. Si, je vais vous faire écouter quand même, puisque ça a un rapport avec Max Stock, ça, on est obligé. Ensuite, en 78, on bascule direct en 78 avec le deuxième album de Shirley César, donc toujours avec Johnny Allen, Ron Matlock et Max Stock qui sont toujours aux commandes de ce deuxième LP. Et malheureusement, bah, ça va être un petit peu encore un fiasco, cet album-là, même plus important que le premier. Et du coup, elle, bon, elle en a un petit peu marre, elle se dit, elle va nulle part. Donc elle va partir, elle va aller vers de nouveaux horizons, en fait. Et de là, bah, elle a bien fait, puisqu'elle va récupérer pas mal de Grammy Awards par la suite. Donc c'est une grande dame qui va naître dans le gospel. Donc c'était Shirley César, donc je vous ai parlé vite fait d'elle, hein, parce que bon, on va passer, c'est pas le plus important, c'est plutôt des titres de style gospel, bon, c'est pas dans notre style musical qu'on a envie de parler sur cette Stokes Connection. Et ensuite, si vous voulez, après Shirley César, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, elle va partir, comme je vous l'ai dit, et de là, en 78, il y a une grosse production qui va arriver. Ah, une grosse production. Là, du coup, Rebolote, Rob Matlock, le groupe Enchantement, dans les backing vocals, Mike Stokes, ils sont de retour. Alors, vous allez me dire, pour quel album? Eh bien, pour un album très intéressant, puisque pour le coup, je vais vous parler de cet artiste-là. Vous voyez, je vous montre. C'est Kev Barrow. Kev Barrow, il sort cet album qui s'appelle tout simplement Physical Attraction, et qui est donc en fait son troisième LP. Toujours produit par Michael Stokes pour Sky Tower Productions. Et alors, je vous explique, là je vous parle des artistes, et en fin de vidéo, je vous parlerai des nombreuses maisons de prod et de publications qu'il a fait. Mike Stokes, ainsi que Ron Matlock et tout, parce que ils étaient ensemble avec Tasha Ward, etc. Je vous verrai, il y a Sky Tower Productions, il y a Desert Rain, Desert Song, il y a également d'autres encore. Et donc, on voit bien, toujours arrangé par Johnny Allen. Donc, cet album-là, il est dans la même veine que les Enchantements et que le Ron Matlock. Il était juste avant le Ron Matlock, avant le Love City. Ils ont fait celui-là. Alors, pour le coup, laissez-moi vous parler de Kev Barrow. Kev Barrow, si vous voulez, c'est le fils du révérend
Willi Taplin Barrow. C'est une femme, oui, et c'est une grande activiste de la cause des droits civiques des Afro-Américains. C'est une dame qui a travaillé avec deux célébrités dans ce domaine, à savoir Jesse Parker, que vous connaissez, Jesse Jackson, pardon, que vous connaissez tous, et bien sûr Martin Luther King. Ah oui, elle était proche de ces deux personnalités, d'accord? Et donc c'était une vraie, vraie activiste, et c'était sa mère. Et lui, très rapidement, il a fait du gospel forcément, il avait une voix qui était très intéressante, et de là, il a commencé à signer. Il avait un groupe, donc j'ai oublié le nom, je vais essayer de vous le retrouver et de vous le mettre là. Highlights, il me semble, c'est Highlights, voilà, ça me revient, c'est le groupe Highlights, il me semble. Il va faire quelques tournées des bars, bien évidemment, au début des années 70, et je crois qu'en 73, il va faire un album que je vais vous mettre là, sur le label G-Well. Très bon LP, qui a un mélange de soul, de blues et de gospel. Et de là, il va faire ensuite un deuxième LP sur Columbia. C'est en 77, il va signer un deal parce qu'il va rencontrer Bobby Ely, qui n'est rien d'autre que le guitariste et le parolier du groupe MFSB, que vous connaissez tous. Et Bobby Ely va lui signer donc un contrat sur la Columbia, il me semble, pour l'album de 77. Et donc, en fait, moi, je vais vous parler que de cet album-là, en réalité. Les autres, en fait, on s'en fout un petit peu. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, c'est pas des albums déception. Voilà, il manque toujours un petit truc, mais celui-ci, on peut dire qu'il a vraiment la patte de Roy Matlock et de Max Tox et d'Enchantement. C'est pour ça que je vais vraiment vous parler de cet album-là en priorité. Et donc, très rapidement, cet album de 77 de Bobby Ely va marcher plus ou moins bien, mais bon, c'est pas exceptionnel. Et de là, il va rencontrer Max Tox. Parce que, voilà, il y a Ron McLaug qui est là, qui va lui parler de lui. Ils vont se rencontrer parce que tout ceci fait partie, si vous voulez, des ambiances et de l'histoire de Max Tox vers cette espèce d'utopie qu'il cherche. Donc il a besoin d'avoir des références. Et si vous voulez, le révérend William Taplin Barrow, activiste afro-américaine, va rencontrer ça, va être si vous voulez, dans les rencontres, dans les relations de Max Tox, ou en tout cas dans les références qu'il a dans sa tête. Et bien sûr, quand il saura que Kev Barrow n'est rien d'autre que son fils, il va être amené à vouloir être travailler avec lui. Parce que, regardez, Shirley César a été dans le gospel aussi, quelque part. Donc tout ce joli monde se connaît hein, depuis toujours. Hein. Et du gospel, on va droit au divin, hein, quelque part, dans ce genre de chanson et dans ce genre de contexte musical. Et donc Michael Stokes, il est toujours dans cette recherche, en fait, d'utopie. Et il va donc bosser avec des gens qui sont un peu dans ce milieu-là. Vous allez voir, on va vous parler après de Nature Divine et d'autres. Et vous allez comprendre un petit peu ce qu'il y avait dans la tête de Michael Stokes. Et donc, avec Kate Barrow, en 79, enfin, en 78, ils vont faire ce magnifique LP. Je vais vous faire écouter, il est vraiment fabuleux. Hein. C'est vraiment, il y a des musiques magnifiques. Mais je vous invite à regarder un peu la pochette avant de continuer. Qu'est-ce que vous voyez? Donc on voit, il est en couple avec une femme, et derrière, il y a un homme un peu viril, un peu à la Village People, on dirait bien, qui le regarde. D'accord? Et lui, il regarde pas la femme, vous voyez? C'est comme s'il s'en fout, en fait. La femme va vers lui, et il s'en fout. Et en fait, il y a une histoire derrière. Je vais vous dire c'est quoi l'histoire. Mais d'abord, je vous explique un peu. Kev Barrow, en 79, il part à Paris pour faire des concerts. Et à Paris, il se sent mal. Il a un petit souci de santé. Donc très rapidement, il va être pris en charge à l'hôpital, à Paris. Et il va être rapatrié aux États-Unis. Il va appeler sa mère, il va lui expliquer le problème. Sa mère, elle court au chevet, il se sent pas bien. Et il va, en tout cas, l'hôpital va déceler son problème. Et donc, il est au courant de ce qu'il a, et il va quand même vouloir faire un dernier LP. Ce dernier LP va sortir en 81. On va passer vite fait, parce que j'en reparlerai d'ici là. Toujours sur. Il est plus sur la Columbia, pardon, tant pour moi. Il va partir à Capitole, il me semble. Et il va faire ce dernier effort. Et malheureusement, en 83, il va mourir. Alors vous allez me dire, de quoi il est mort? Eh bien en fait, il avait contracté le sida. Parce que. Bon, ça s'est un peu tu à l'époque, hein, parce que dans les journaux afro-américains, quand il est mort, personne n'a dit de quoi il était mort. Parce que c'était un des premiers, je crois que c'était une des premières victimes du sida à l'époque, importante. Notamment du côté afro-américain. Et il voulait pas en parler. Parce que si vous voulez, Kev Barrow, en fait, il était gay.││ ││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 
C'est pour ça que dans cette photo, vous voyez, il y a un homme derrière. C'est lui qui a fait cette photo-là. Faut le savoir. C'est pas moi qui dis, voilà, il y a un mec parce qu'il était gay. Non, c'est pas ça. C'est cette photo-là, c'est lui qui l'a prise. C'est lui qui l'a voulu comme ça. Parce qu'il était, si vous voyez, à l'époque, bon, bah, les gays, ils étaient. C'est pas comme aujourd'hui. Et ils se cachaient un petit peu, ils voulaient pas trop le dire, et notamment dans le commerce, dans le business. Vous imaginez, Kev Barrow, s'il disait qu'il était gay à l'époque, déjà, c'était pas sûr pour lui que ça marche, cet album-là. Mais en plus, est-ce qu'il y a certains producteurs, certains gens du business, ils n'avaient pas envie de bosser avec des gays? Tu vois, ils étaient un petit peu réticents. Et donc, forcément, lui, et comme beaucoup d'autres, il se cachait de ça. Et donc, c'est pour cette photo-là, je vous dis, c'est lui qui l'a fait, c'est écrit derrière. C'est écrit derrière, photographie, je veux dire, cover concept, Gene Grief et Kev Barrow. Voilà. Donc, déjà, à l'époque, il essayait de montrer un petit peu qu'il n'aimait pas les femmes. Mais voilà, après, par la suite, bah, il est mort du sida. Les Afro-Américains, les journalistes afro-américains ont voulu cacher sa maladie et pourquoi il était mort. Et c'est seulement des années plus tard qu'on l'a appris. Et pour finir avec Kev Barrow, sachez, et ça c'est vraiment dommage, parce qu'il y avait un quatrième album qui était prévu avec le retour anthologique de Rome Matlock, Michael Stocks et Enchantement, avec Kev Barrow. Et cet album-là n'a jamais vu le jour. Et ça, c'est Rome Matlock qui l'a annoncé quelques années avant sa mort. C'était là, il y a quelques années, parce que Rome Matlock, il est mort en 2020. Et quelques années avant, il avait fait une interview où il parlait de Michael Stocks, il parlait de pas mal de gens, et il a parlé de Kev Barrow. Et il expliquait que Kev Barrow, Rome Matlock, tous ces gens-là, ils devaient se revoir pour faire un quatrième album. Alors, on ne sait pas trop si c'était en 82 ou en 83, ou entre 79 et 80. Il n'a pas trop donné d'explications à Rome Matlock, mais on savait qu'il devait avoir un album. Et c'est vraiment dommage parce que c'était un artiste de talent. Et vous allez voir, je vais vous faire goûter cet album, mais il est magnifique. C'est un super album. Donc, repose en paix, Kev Barrow. Et nous, on va continuer avec l'histoire de Max Tox. Avec ensuite, à l'issue de cet album-là, va arriver trois albums d'anthologie dans la carrière de Max Tox. Mais vraiment trois albums. On va continuer toujours avec le trio, enfin les trios d'artistes Enchantement, Rome Matlock. Et Max Tox avec d'abord celui-ci que je vous ai déjà présenté et je vous avais expliqué que cet album-là, c'était pas cet album-là qui devait sortir à la base, puisque ça devait être l'album de Rome Matlock. Bah oui, parce que Rome Matlock, lui, c'est pas un chanteur. Il est juste, si vous voulez, parolier. Il vient de Détroit. Il a bossé avec les grands noms de la scène soul funk, comme Rick James, Eddie Kendricks, Bobby Taylor, Norman Whitfield, les originals, pardon. Et voilà, il a une voix de baryton, un peu à la Johnny Bristol. Mais si vous voulez, il a jamais voulu être dans la chanson. Lui, dans sa tête, il était très clair. Il voulait rester parolier et composer et travailler là-dedans. Et donc, lorsque cet album, avant de sortir cet album-là, eh bien, les textes de cet album étaient prévus pour le groupe Enchantement. Ça devait être le fameux troisième LP d'Enchantement. Et puis finalement, pendant qu'il répétait tout ça, bah, Rome Matlock s'est dit, pourquoi je ferais pas un album? Parce que lui, il faisait cet album-là, il le travaillait tranquillement, d'après ce qu'il a raconté, il bossait sur cet album-là et sur d'autres albums avec Michael Stocks. Je crois qu'il était au soleil de Floride quand ça s'est passé. Puis après, il a vite bifurqué au studio, rejoindre Max Stocks. Et c'est là ils ont commencé un peu à sortir tous les textes et toutes les chansons. Max Stocks, au keyboard, ils ont commencé à faire les petites partitions, à chanter, à danser. Et du coup, est venue l'idée de faire cet album. Et Rome Matlock qui s'est mis à chanter sur les partitions au piano de Michael Stocks a fait qu'ils se sont dit eh bah, il faut que ça soit toi qui fasses cet album et pas Enchantement. Et de là, ils vont faire cet album-là et celui-ci, coup sur le coup, en même temps quasiment, avec en fait, ils vont composer les chansons pour plein d'albums. En fait, ils vont faire, je dis des bêtises, ils vont faire plein de morceaux et de tous ces morceaux-là va naître ces deux albums-là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, Rome Matlock, il a continué dans la scène soul funk hein, par la suite. On va le retrouver notamment avec l'album Millie Jackson et bien d'autres encore que je vous parlerai. Mais voilà, il a fait un seul album. C'est un album qui est devenu assez prisé par les collectionneurs de soul et qui est très bon. Hein, je vous le dis, c'est une bombasse de bombasse. Moi, pour moi, cet album de Rome Matlock, on va se l'écouter. Je vous en parle pas plus parce que j'en ai déjà parlé dans l'album d'Enchantement, mais en même temps, vous le connaissez. C'est un gros gros LP. Produit par Max Tox. Et regardez la photo, j'en ai déjà parlé, la photo magnifique, regardez bien, on voit ici quoi? On voit des espèces de ponts
Un pont d'arc-en-ciel qui mène à une ville futuriste et avec une espèce de tour. Regardez la tour, il y a une tour. Voilà, voyez la tour. Cette fameuse tour-là. Mais qu'est-ce que c'est que cette tour? Mais si vous regardez plus près, vous avez l'impression que c'est une tour qui monte vers le ciel. Et ce qui est très intéressant, c'est que la maison de prod de Michael Stock s'appelle Sky Tower. Regardez bien. Qu'est-ce que vous voyez? On dirait pas une Sky Tower, une tour qui monte vers le ciel. Donc, voilà. Mais si vous voulez, tout ça, on en reparlera. Parce que je vous parlerai vraiment dans le chapitre 2, à la fin, une fois qu'on aura visionné toutes les œuvres de Max Stokes, je vous parlerai, j'essaierai de vous faire analyser un peu ce qu'il y avait dans sa tête. Parce que finalement, il a fini par le révéler il n'y a pas si longtemps que ça, dans une interview. Et c'est un petit peu ce que je vous dis depuis le départ. Mais bon, moi j'ai donné plus de détails. Mais vous allez voir, vous allez tout comprendre. Et donc, tout a un sens chez lui, voyez? La Sky Tower, production Sky Tower, voilà, c'est aussi simple que ça. Utopia, etc. Voilà. Donc, on reparlera dans le chapitre 2 de Sky Tower Music, de Sky Tower Production, etc., du label Maison. Mais pour l'heure, on va finir avec le dernier disque que je vais vous présenter de la vidéo. Et c'est pas n'importe lequel. Puisqu'à ce moment-là, en 79, bah, Michael Stokes, il est parti un petit peu partout. Entre le label Roadshow qui va après s'arrêter, lui il va bifurquer, les Enchantements vont bifurquer chez Don Davis sur RCA, puisque RCA va reprendre le label Roadshow en 78, il me semble, 79, je sais plus quoi. Et de là, Max Stokes, lui, après l'album de 79 et l'album de Roman Matlock, il va chercher à être il va chercher en fait à mettre ses tentacules dans plein d'endroits. Donc il va être un peu partout. Et il va devenir le patron. Du label IM, mais ça, je vous en parlerai dans le chapitre 2. Mais avant d'y être, il va essayer d'aller dans d'autres labels un peu plus obscurs, comme le label Infinity. D'accord? Et ce label Infinity, il va y être un petit peu un responsable, un management. Il va être dans le management. C'est un petit label, il n'y a pas eu grand-chose qui sont sortis. On retrouve par exemple ça, Dans Inferno. Qui est sorti. Alors derrière, il n'est pas crédité, hein, il n'est pas du tout dedans, parce que en réalité, c'est Harold Weller qui est dessus. Mais c'est un album qui va naître sous la direction, sous le management de Max Stokes. D'accord? Et c'est un gros LP de disco que moi j'aime beaucoup, avec une pochette tranquille, hein, voilà ça. Mais lui, il était derrière, sans être crédité, mais il était au management. Mais le gros LP qui va sortir sur le label Infinity. Bah, le gros LP, bah, c'est un album cultissime que vous connaissez tous. C'est le Natures Divine. Voilà, vous connaissez. Regardez-moi cette pochette, encore une fois. Mais regardez cette pochette. On aurait dit un reptile. Vous avez un espèce de reptile qui tient un micro avec de la végétation. On y voit au fond une voiture perdue dans la végétation. On y voit ici une espèce de grande canette. Je sais pas si vous le voyez, une espèce de canette abandonnée. Et puis on voit des dinosaures, des dinosaures à l'arrière. Une espèce de retour à la préhistoire, un retour à la végétation, un retour à la nature. Et d'ailleurs, et je vais vous parler de ce groupe-là, parce que c'est un groupe déception. Et encore une fois, c'est produit par Michael Stokes pour Sky Tower Music, LTD, d'accord? Et donc, si vous voulez, cet album-là, pour vous en parler mieux, parce que moi, je vais vous en parler après, mais je pense qu'il est nécessaire de voir, en réalité, une vidéo que j'ai piquée à un passionné de funk, qui a une très belle chaîne YouTube que je vous conseille, que je vais vous mettre là. C'est Limubey, qui vous a fait une magnifique vidéo sur Natures Divine, parce qu'il a eu l'opportunité de parler avec un des artistes du groupe Natures Divine. Et donc cet artiste lui a refilé des photos et a parlé avec lui, lui a raconté un petit peu l'histoire. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une vidéo de 5 minutes avec un des extraits de un des morceaux de l'album. Et vous allez voir sur la vidéo, elle est très intéressante parce qu'il a mis toutes les photos, il a raconté des petites histoires dessus, etc. C'est très bien fait. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se mette à regarder cette vidéo qui dure 5 minutes de Limubey, et je t'en remercie. Et ensuite, je reviens vous parler encore une fois un petit peu de Natures Divine, parce que j'ai des petites choses à vous dire. Je vais vous montrer aussi moi des photos et des choses pour clôturer ce chapitre 1 de Max Talks. Donc à tout de suite. Thank you.
I never felt this way before. Et donc encore une fois, merci à Limubé pour nous avoir fait profiter de cette vidéo très intéressante du groupe Nature's Devine. On y apprend beaucoup de choses. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, forcément, c'est de vous parler un petit peu plus du groupe Nature's Devine, pour vous expliquer un peu ce qu'ils étaient. Alors avant de parler, je vais vous montrer une petite image extraite d'un magazine anglais qui était sorti à l'époque, et où on voit un peu leur interview. Ils racontent beaucoup de choses. Alors déjà, qui sont les Nature's Devine? En fait, c'est un groupe qui est né en 77, et ils viennent tous de Détroit, donc ils font tous partie de la ville où a grandi Max Tox. Le nom du groupe est arrivé tout simplement parce qu'ils recherchaient quelque chose, un nom qui corresponde un peu à la bonne vie, aux bonnes choses de la vie, à la nature, un peu au divin. Parce que eux, si vous voulez, le groupe Nature's Devine, à la base, ils sont tous végétariens. Ah oui, ils sont tous végétariens, ils mangent pas de viande. Et donc eux, ils sont dans un état d'esprit, si vous voulez, où ils cherchent un peu à revenir à la nature et au divin, quoi. Pour eux, la nature, le terme, le nom du groupe Nature Divine, c'est ça. C'est nature parce que c'est la nature, voilà, la nature, la végétation, les animaux, les oiseaux, c'est la nature. Et divine, c'est le divin, c'est Dieu. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être dans la vie de tous les jours et vivre une vie paisible, sereine et prendre ce que Dieu leur a mis sur la terre. Et eux, si vous voulez, les technologies, les soucis de l'argent, tout ça, c'est pas leur problème. Eux, leur souci, c'est de revenir un peu à un état d'esprit un peu de divin et de naturel.
Bon, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, ça, c'était l'état d'esprit qu'il y avait aux États-Unis avec cette espèce de vague de mode un peu hippie qui était arrivée à l'époque. Donc, c'est un peu normal qu'il y ait plein de gens qui, à l'époque, étaient très végétariens, très naturistes, étaient très pro. Ils avaient beaucoup de gens même se promenaient nus dans les rues ou chez eux. C'était le naturisme, c'était l'amour à plusieurs, c'était l'ère du Verseau, en fait. Vous connaissez l'âge du Verseau? Il y a eu des films, qui un film qui existe sur ça. C'est quelque chose de. Allez, on est léger, on délaissons le matériel, délaissons un peu. Tout ce que nous donnent les gouvernements et sortons, profitons de la nature, profitons de l'air, profitons des bonnes choses de la vie, quoi. Des bonnes choses que nous donne la nature et que nous donne Dieu. Et donc, eux, c'est un groupe comme ça, tout simplement. Et donc, ce groupe-là va faire un album. Les chansons vont être en fait des chansons qui parlent d'eux, de leur vie passée. Et voilà, ils vont faire un album. Michael Stocks va produire tout ça. Va y avoir certaines personnes qui viennent déjà de l'univers de Michael Stocks, mais c'est surtout le groupe qui va être à fond sur les textes et la composition de titres. Michael Stocks va juste les accompagner à la production par le biais de Skytower Productions. Je vais juste regarder un détail pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui m'a échappé dans les noms, tout ça. Alors bien sûr, c'est un album de ouf, hein. Il y a des trucs de dingo dedans. Même moi, je l'ai réécouté encore. Je m'attendais pas. Je pensais qu'il y avait deux, trois titres, mais en fait non, c'est quasiment un auto-reverse, hein, je vous le dis, hein. Voilà, donc je regarde un petit peu. Il n'y a rien de particulier. Toujours au Sound Suite Studio, hein, parce que faut savoir que la fin des années 70, pour Michael Stocks, Ron McLeod, tout ça, ils enregistraient tous au Sound Studio. Sound Suite Studio à Détroit, c'est vraiment un studio de dingue. Oui, ils pouvaient travailler tous ensemble, ils dormaient même là-bas et tout, hein, c'était un truc de dingue. Et donc, voilà, je regarde un petit peu, au lead vocals, il y a Lynn Smith, Robert Carter, voilà, donc additional overdubs et special effects, Michael Stocks. Parce que Michael Stocks, je vous dis, lui, il était rentré dans les synthés et il adorait ça, et il apprenait, apprenait, apprenait. Et donc, pour lui, c'était que du bonheur, les synthés, et il essayait de mettre ça en avant. D'ailleurs, il va pas hésiter non plus à le faire sur l'album de Harari. On va en parler dans le chapitre 2, mais je vous en parlerai rapidement parce que Harari, c'est pas du tout un groupe qui va nous intéresser, mais le groupe Harari, c'est intéressant parce que c'est un groupe, il me semble, sud-africain, qui avait fait un album original sud-africain en 81, il me semble. Et Michael Stocks va vouloir le distribuer aux États-Unis. Donc il va vouloir les faire rentrer aux États-Unis, en faire un groupe commercial, mais il va pas y arriver. Mais néanmoins, il va récupérer les bandes de Harari et il va les retravailler. C'est-à-dire qu'en fait, il va rajouter du skateboarding, du skateboards, il va les remixer, etc. C'est exactement comme ici. Comme ici avec cet album-là. Voilà, là, il s'est bien écrit, je ne vais pas vous mentir. Au-delà du fait que le skateboards, c'est Marvin Jones, eh bien en fait, il va pas s'empêcher, lui, de venir et faire du overdubs et du special effects, Michael Stocks. Parce qu'en réalité, je vous dis, ce groupe Nature's Divine, Michael Stocks, il n'était pas censé mettre sa patte dedans. Lui, le groupe était déjà constitué, ils avaient déjà leur musique, tout était déjà fait. Donc Michael Stocks, si vous voulez, qu'est-ce qu'il est venu foutre là-dedans? À part produire. Il aurait pu produire, comme il a produit plein d'autres choses, il a produit notamment des albums de Temptations, tout ça, dans les années 80, et il s'est pas ingéré dans le groupe. Pourtant, il est derrière. D'accord? Dans les grands albums, l'album Truly For You de Temptations, il est derrière. Mike Stocks, il est derrière. Comprenez ce que je suis en train de vous dire. Le fameux album de Temptations, Truly For You, Mike Stocks, il est derrière. Il aurait pu dire, non, l'album, il me plaît pas, dehors. Non, il va produire cet album qui va devenir cultissime de Temptations, mais il va pas s'ingérer dedans, il va les laisser travailler. Mais il aurait pu faire pareil avec le Nature's Divine. D'accord? Mais il n'a pas pu s'empêcher à ce moment. Say, spreading love day to day.
just a bum. To make you bite your granny. As a man, don't judge him by the clothes he wears. They may not be desired. There's a soul inside. Just remember, love is reality. You and me got to be free. There's a soul inside, trying to get satisfied. Clothes can't hide what you feel inside. Love is reality. Thank you.
Fall in love again. Oh, but I misjudged.